Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour un relooking extrême avec un petit challenge CES à respecter. Les règles sont les suivantes. Il est interdit de changer les traits de base dans les prédéfinis. N'oubliez pas de vous abonner, c'est une preuve d'un grand soutien à la chaîne qui grandit grâce à vous. Merci. Dans chaque description des vidéos, vous avez mon lien d'affiliation avec InstaGaming qui permet d'aider la chaîne et surtout de trouver de nombreux jeux beaucoup moins chers que je les retouche moi-même. Et pour leur donner un style bien à eux, il fallait respecter leurs traits de caractère et leurs préférences. Je voulais remercier Pomme Fraise et Léoline d'avoir aussi participé à ce challenge. Merci beaucoup les filles. Donc on va commencer avec Roberta. Déjà je vais enlever tout ce qu'elle a sur le visage là, le maquillage. Ses cheveux aussi. Sa tenue, allez, on va la mettre à wallpé. Allez, hop, hop. Voilà. Je sais pas par où pour commencer, mais... Oula, doucement, doucement. Là, les yeux. On va essayer de faire quelque chose de joli, d'harmonieux. Ouais, ça va. Ça va le faire, je pense. C'est un peu trop fermé, là. J'aurais bien voulu que ce soit plus ouvert ici, là. Comme ça, arrondi, c'est mieux. Le nez. Voilà. Parfait. Pas plus large. Oh là là. J'ai trop hâte que le nouveau pack sort, là. Vie à la campagne. Je sais pas vous, mais moi, j'ai trop... hâte. Je vais le tester avec la troisième génération de descendance et j'ai hâte. Déjà, on va faire un petit passage à la fac. Tout est prêt. J'ai hâte de vous montrer tout ça. J'ai eu beaucoup d'idées ces derniers jours, ces derniers temps, on va dire. Ces derniers temps, j'ai eu beaucoup d'idées pour donner un peu plus de vie aux vidéos. Ah oui, elle était vieillie. J'avais oublié tout ça. Il faudrait bien écarter sa bouche un peu plus. Voilà, elle a fait un tout petit nez là. Au fil du temps, au fil du jour, je commence à m'améliorer au niveau des relooking. Ses yeux sont bien, je trouve, mais c'est ses cils là, qui me perturbent. On va lui mettre des cheveux peut-être, ça passera mieux. Alors normalement dans ce challenge, on doit utiliser que les extensions, mais moi je m'autorise d'utiliser les extensions. Je vais changer sa couleur de peau. Ouais, ça vient. Je vais juste embêter. Hop, alors je voudrais bien le remonter. Allez, je vais l'arrondir là. T'écartes un peu les oreilles si tu veux bien. Voilà, on est bien là. Je vais lui mettre des grains de beauté. Yes. J'ai changé ses sourcils là. Voilà. Voilà, c'est pas mal. Les lèvres un peu plus grosses là. Je trouve que c'est bien. Je suis plutôt contente de moi. Moi, mais si ça te dérange pas, non. Là, voilà, on va donner un peu de chair, un peu de fessier. Je pense qu'on est bien là. Donc au niveau du look, elle est égocentrique, snob et créative. Et elle aime pas... Elle aime le rouge, le jaune, le bleu et le rose. Mais elle aime pas le noir et le violet. Ok. Moi je vais plus me concentrer sur les couleurs. Rouge, jaune et... Rouge, jaune et bleu et rose. Ça peut être snob et baba cool. Alors elle aime le rouge, elle aime le jaune. Oh, le jaune ça lui va bien. On va partir là-dessus. Non, 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 ça me plaît pas. Compensé. Là, je pourrais mettre ça. Nous sommes en été chez les Sims, donc ça le fait. Oh, j'aime bien, je kiffe, elle est trop belle. Voilà, maquillée, elle est encore plus belle. Ouais, comme ça, je me mets quelque chose de naturel. Je vais rester sur cette couleur-là, celle-ci, j'aime bien. J'aime bien ce rouge à lèvres. Et on va mettre ça. Voilà. Ok, celui-là. Et au niveau des oreilles, qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre? Des créoles. Ouais. Et au niveau du cou, parfait. Elle est trop belle. Je suis plutôt contente de moi. Hein, parce que avant, elle ressemblait pas à grand chose. Hein. Passons à son mari. Pat. Pat. Voilà, Pat. Oh mon dieu, Pat. J'ai été méchante avec toi. On va enlever tout ça. Voilà. On va enlever tes tatouages aussi. Et on va s'occuper de ta tête. J'ai les oreilles. Hop. La mâchoire hyper carrée. Oh, ça va être rapide pour Paps. Oh là 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 là. Je suis pas allée de main morte avec lui. Hein. Je viens de remarquer avec Paps que j'avais coupé le son du jeu. Parce que j'avais fait un machinima juste avant et j'ai oublié de remettre le son. Oh là là, comment je vais faire ça? Essayer d'arrondir tout ça. Il est hyper carré lui. Voilà. On arrondit bien au niveau des yeux. Hop. Les pupilles. Voilà. Je peux pas arrondir. C'est trop de nez là. Je vais pas faire le même nez que madame Roberta. Voilà. Je crois qu'il est trop relevé son nez. On va enlever ses cils parce que ça me perturbe. Je vais voir la forme qu'ils ont. Voilà.
Parfait. Ah, je suis plutôt contente. J'avais peur de pas avoir quelque chose de potable, mais je suis plutôt contente. On va lui changer les yeux, on va lui mettre les yeux marron, non vert, c'est... Ouais, c'est parfait. Donc, Paps est un homme qui est sûr de lui, qui aime danser et qui est membre d'un groupe de potes. Il aime le noir, le marron, le gris, mais le violet et le rose, il n'aime pas. En gros, c'est un fêtard. Attends, je te mets à walpé. Toi aussi, on voit comment tu es. Fourni. Les bras. Hop. T'aimes bien, coquin. T'as des tout petits pieds. Parfait. On va te mettre tes cheveux sur la tête. Qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre? On va changer. Oh, ça lui va bien, cette coupe. Oh, j'adore. Oh, j'aime bien ses dents. On va laisser ses dents comme ça. Si on te met un peu de grain de beauté, là, voilà, voilà. Ah, des tatouages, il y avait des tatouages, on va en remettre. Qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre? Ça, ça lui va bien. Fêtard, qu'est-ce que je pourrais lui mettre? Oh, t'aimes bien? Moi aussi, j'aime bien. On va mettre ça, celui-là. J'aime bien. Ah, tu kiffes? Il kiffe! On va mettre une alliance, voilà. Et au pied, on va lui mettre une paire de baskets. Ah, celle-ci, pas mal. En noir, des chaussettes. Voilà, on lui met un piercing. Oh non, ça lui va pas. Ça lui va pas, ça lui prend tout le nez. Des boucles d'oreilles. Ouais. C'est dommage qu'on ne peut pas mettre une boucle d'oreille à une seule oreille. Je trouve ça dommage. On va mettre plus petit. Il n'est pas canon, Paps. Franchement, je suis trop contente et je suis trop contente de moi. Je suis trop fière de moi. À force de pratiquer, de relooker les cimes, on commence à s'améliorer. Regardez-moi cette petite Roberta. Et voilà, le petit couple est magnifique. Ils sont disponibles dans ma galerie Elficrea, donc n'hésitez pas à les télécharger si vous le souhaitez. Et si ce relooking vous a plu, likez, commentez et surtout, abonnez-vous.